Bonjour chers amis, on reprend le sujet de Shehriyanu et aujourd'hui on va parler Shehriyanu par la joie de rencontrer un proche ou un ami qu'on n'a pas vu depuis 30 jours. La Gemara dit, celui qui n'a pas vu son ami qui est bien en bon lien avec lui, qu'il a une joie de le rencontrer, et quand il voit sa face après 30 jours, il faut remercier Hachem et faire la bracha Shehriyanu Vekeimanu Vegeyanu Zmanazé qui nous a donné la bonne santé pour voir nos proches et être content avec nos amis. Cette bracha, on l'a fait malgré, si on a parlé au téléphone, on l'a vu en FaceTime, on a lu les écrits, on sait qu'il va bien, on sait que tout va bien, quand même, puisque cette bracha, on l'a fait pour la joie de voir sa face. Il y a une autre bracha, elle est aussi marquée dans la Gemara, celui qui n'a pas vu son ami pendant 12 mois, pendant un an, une année entière, il n'a pas vu son ami. La prochaine fois qu'il le verrait, il va faire une bracha, Mechaye Ametim, remercier Hachem que je te vois en vie encore, que moi je suis en vie et j'ai la joie de te voir. Cette bracha-là, seulement s'il n'y a pas eu de contact. Aujourd'hui, c'est très rare, mais parfois ça arrive. Un bon ami qui était à l'école ensemble, à la yeshiva, il a passé le parcours avec lui. Il est très content de le revoir et il n'a pas eu de nouvelles de lui pendant un an. Dans ce cas-là, il va faire Baruch Ata Hashem et Elokeinu Melech Haolam Mechaye Ametim. Quand il rencontre plusieurs amis, par exemple dans un mariage, il va rencontrer plusieurs amis qu'il ne les a pas vus depuis 30 jours. Il va faire une seule bracha et il est acquitté pour toute cette joie de rencontrer sa famille et ses amis. Shabbat Shalom.